Capozzi, animateur à la maison des jeunes de Tubis, la maison antistatique. Comment vous réagissez à ce micro-trottoir? Est-ce que les jeunes autour de vous pensent aussi que ça ne sert à rien de voter, que les jeux sont faits, que de toute façon ils se sont arrangés entre eux et que ils sont tous un peu pourris? Est-ce que vous entendez des discours? Ouais, on peut dire que heureusement que les jeunes sont là pour relever un peu le niveau, mais je comprends les jeunes, ouais, bon, allez, je vais pas parler à leur place, je vais traduire leurs sentiments. Leurs sentiments, c'est aussi un peu arrêter de nous prendre pour les cons. Voilà, on a bien vu qu'on a eu un pays qui s'est géré sans gouvernement. Alors on se demande si les jeunes, la politique. Alors oui, la crise budgétaire, la crise communautaire, la crise politique, la crise de plein. Voilà, les jeunes, c'est ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sortir de la crise. Ils veulent du boulot. Ils veulent juste du boulot. Ils s'en foutent de qui va être élu. Voilà, l'important, c'est qu'on puisse les soutenir et développer les actions jeunesse, quoi. Maintenant. Et ils remarquent évidemment, et vous remarquez aussi que parfois il y a un décalage entre ce que les politiques disent et veulent imposer aux jeunes et ce que les jeunes font, puisque vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne, que vous travaillez beaucoup les questions d'environnement durable et d'écologie avec les jeunes, alors que les partis... Bah ouais, c'est assez marrant parce qu'on s'est dit, depuis le début, on est en train de mettre toute la publicité des candidats dans un sac plastique. On est arrivé à 900 grammes fois autant de personnes qui vivent dans la ville. Ça fait pas mal de kilos de papier. Ils ne sont pas beaucoup à faire leur pub sur du papier recyclé. Donc le développement durable, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Alors quand on demande à nos jeunes d'être des cracks citoyens responsables, actifs et solidaires, je pense que nos politiciens devraient d'abord l'être pour être un modèle justement pour ces jeunes. Mais bon, je veux dire, quelque part, la réussite, ou en tout cas la politique, c'est pas vraiment une question que de milieu, quoi. Il y a aussi l'éducation politique qu'on fait. Alors on a des jeunes MR, des jeunes PS qui grandissent et qui voteront tout le temps rouge ou bleu parce que c'est comme ça qu'on vote dans la famille depuis 20 générations. Ça, c'est pas de la politique, c'est du militantisme. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est regardez dans votre commune, voilà, les chevins des jeunes qui bougent, les chevins de l'emploi qui bougent pour vous, votez pour lui, peu importe quelle couleur il a, c'est les gens qui vous représentent qu'il faut voter, la personne.